Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'épisode 13 de notre aventure Let's Play sur Tomb Raider. Et Lara Croft, a priori, a entendu des loups. Donc on va pouvoir se castagner tranquillement. Dans la forêt. Donc voilà l'hélicoptère dans lequel nous nous sommes crashés. On va explorer un petit peu les environs, je suis persuadé qu'il y a des choses à looter un petit peu. Je vois un géocache. Les géocaches qui a priori ne servent à rien, hein, qui sont là juste pour la collectionnite et pour ceux qui sont là pour chasser les succès, les achievement hunters comme on dit en anglais, les chasseurs de trophées. Ah, j'ai vu une ombre. Vous trouvez quelque chose ? Oula. T'es sûr qu'ils sont là ? Il doit y avoir une sacrée meute. Hein. Les loups vous trouvent. Jamais. Allez, approche. Les Spartiates ne se rendent jamais. Les Spartiates ne battent pas en retraite. Ouf. Oh, c'est moche. Mon pauvre gars. Oh là là. Le coup de piolet qui fait mal. Alors, mon carquois est plein. On perd notre temps. Reste concentré et continue d'avancer. Alors, je vais pas prendre les munitions incendiaires parce que elles sont quand même assez visibles. Je vais prendre les flèches traditionnelles pour essayer de faire des exécutions silencieuses. Et mince. C'était loupé. On va essayer de se faire un peu oublier. J'ai entendu un loup, mais je le vois pas. Aïe, 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 aïe. Ah,
Aïe. Ah mince. Voici une impasse. Tendu. J'ai bien cru que j'allais mourir. Oh, il m'a vu. Allez, sors de là. Ouf. Est-ce que je peux monter là? Ça a pas l'air. C'est bien ce que je me disais. J'aurais peut-être pu me la jouer infiltration. En montant là-haut, là. Je sais pas si c'est possible. Des larmes ne me ramènent pas là. Alors. Je n'arrive pas à croire qu'il n'est plus là. Plus d'histoires sur mes parents, plus de randonnées en montagne. J'aurais préféré mourir à sa place. Mais je suis là, bien vivante. Et je suis certaine qu'aucun bateau ni aucun avion ne permettra de quitter cette île. En tout cas, pas pour le moment. Himiko et ce monastère sont la clé de l'énigme. Je dois faire quelque chose. Je dois arrêter ça. De tempête, nous nous trouvons à la veille d'un grand changement. La flotte ennemie qui s'approche de nos côtes sera la dernière à tenter d'envahir notre royaume. La colère de notre reine déclenchera la plus puissante des tempêtes, et nous chevaucherons les vents pour anéantir ces impies. Mais cette victoire ne sera qu'un commencement. À l'aube, quand la lumière de notre reine atteindra l'océan et les terres, et que nous serons touchés par sa grâce, tous nos ennemis brûleront. Eh ben... Hop, si j'oublie le bon bouton, c'est sûr que ça va pas le faire. Ah, tombeau secret. Ça me plaît. Une petite énigme pour cet épisode 13. Sanctuaire des gardiens. Alors. Non, ça me servira à rien.
Faudrait que je foute le feu à ce truc-là. Déjà, à mon avis. Ensuite... Est-ce qu'avec des flèches incendiaires, je peux mettre le feu à ça? Oui. Absolument. Ensuite, il y a du gaz juste en face. Et si je l'attire vers moi, qu'est-ce que ça fait? Ah! Et si je faisais ça avec celui-là plutôt? Je tirais tout simplement. Non, ça ne fonctionne pas. D'accord, je vois pas exactement l'intérêt d'avoir fait ça. Je vais mourir, certainement. Ok. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas exactement de passage. Là. Hop. Ouf. C'est marrant, mais j'y vois rien moi du coup. J'ai peut-être loupé une torche à allumer. Ok. J'ai sans doute loupé quelque chose. J'aurais dû mieux regarder. Allez, plus vite que ça. Ah, là. Forcément, si je ne regarde pas... Ah. C'est dur, hein, parce que ça m'éclaire pas, cette histoire. M'éclairer, ça m'arrangerait ce truc en fait. Non. Il n'y en a pas un autre qui traîne par là-bas. Et si j'utilisais ça pour me faire de la lumière? Ah! Allez, vas-y. C'est sur la gauche qu'il faut que t'ailles. Non. Pourtant, c'était ça, hein. Je l'ai pas rêvé. On va le refaire.
suis désolé, hein, c'est super sombre. Malheureusement, j'y peux pas grand chose. Mais c'est là! Ah, c'est énervant. Ah. Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi est-ce que ce chemin est bloqué? Ah, faut peut-être que j'explose ce truc d'abord. Non. Non plus. Non. Ah. Ok. Normalement, c'est bon. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Sanctuaire des gardiens terminé. Un point de compétence. Et forêt de montagne, carte des reliques trouvées. Allez, point de compétence. Et là, du coup, je vais débloquer un truc vétéran, je crois. Ça, j'ai déjà tout. Ça aussi. On va mettre ça, même si c'est complètement cheaté. Ah oui, en plus, tu peux voir à travers les murs. Oh là là. Dernier niveau de compétences débloqué. Lara peut dorénavant apprendre les compétences les plus puissantes. J'ai hâte. Alors, pendant que Lara parlait tout à l'heure, j'ai débloqué le... Le silencieux du flingue. Hop, et tant qu'on y est, on va débloquer les autres trucs du flingue, même si je m'en sers jamais. Parce qu'évidemment, j'ai bien envie de débloquer les améliorations des armes à 100%, ça serait sympa. Alors juste pour voir la carte des récompenses. On a quand même exploré pas mal de trucs et loupé par là même énormément de choses. Mais bon. Je sais pas si j'y reviendrai. Je sais pas si c'est vraiment intéressant pour vous en fait. Alors trouver un moyen de sortir de la forêt. On va aller par là, puisque du coup, je n'y étais pas allé. Je vais pouvoir ouvrir la porte avec ça. Normalement. Oh. Oh, 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 là là. Cache-toi, cache-toi. Ils sont combien? 3
Merde. J'aimerais bien les faire de loin rapidement, mais ils sont un peu loin quand même. Oh là, mais y a, ils ont des loups avec eux ou quoi? C'est nouveau cette histoire. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, aïe 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 aïe. Beaucoup de modifications d'armes à débloquer, mais bon. Ah, génial, sortez de la grotte, de la forêt en passant par la grotte des loups, ça donne envie. Juste pour voir si je peux voir des objets cachés. Ça a pas l'air. Ah. Il doit y avoir quelque chose là derrière. Il me l'indique pas, c'est marrant. En fait, c'est un pouvoir cheaté mais qui ne marche pas. qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis où? En fait, ça servait à rien d'aller par là. Je suis juste redescendu. D'accord. Waouh, je récupère des champignons. C'est fascinant. Alors, grotte des loups. On est parti pour la grotte des loups. J'essaye de les dresser. Charmant. J'ai appuyé sur B comme un abruti. Ah, c'est bien la première fois que j'en loupe un de ça. Autant d'habitude les QTE je suis mauvais, mais alors là à chaque fois pour me sauver la mise,
J'ai l'habitude de les réussir, mais là, pour le coup, j'ai un peu honte. Ah bah oui, d'accord, il faut tout recommencer. Oh bah c'est charmant. Y a rien là-dedans. Déjà? Encore le bidonville. C'est quand même beau. Très très joli. Tu me reçois, Lara? Alex, j'essaye de vous joindre depuis ce matin. On vient de regagner la plage. Le bateau est dans un sale état. Sans les bons outils, on aura du mal à le remettre en marche. On va avoir besoin d'un coup de main ici. Vois ce que tu peux faire. J'arrive. Fais bien attention à toi. Trouver un moyen d'accéder à la plage, d'accord. De voir si je peux pas utiliser cette corde là. C'est plus agréable de survoler ce bidonville plutôt que de le traverser avec tous les ennemis qu'on lui connaît. Alors. À tous les coups, le téléphérique va casser pendant que je suis dessus. Oui, merci, je sais ce que c'est qu'une nacelle de transport. Lara, tu es là? Alex nous a dit que tu étais en route. Je vais pas tarder. Il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est à l'origine des tempêtes, cette chose qui nous empêche de quitter l'île, c'est au monastère que je la trouverai. Tu es sûre? Oui, Sam. J'ai besoin que tu n'en parles à personne pour le moment. Je vais aider Reyes à réparer le bateau. Puis je remonterai la rivière. Lara, ce n'est pas une bonne idée. Fais-moi confiance. C'est la seule solution. D'accord. Sois prudente. Quand même. C'est énorme ce truc, qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai! Ah zut. Non! Pourquoi j'ai fait ça? Je suis tellement bête! Oh non! L'imbécile. Oh non, c'est pas vrai. En plus, c'était évident quoi. Et je sais pas pourquoi, illusion d'optique peut-être. Alors.
Tac. Puis c'est là-dessus qu'on va se quitter, parce que c'est la fin de l'épisode. On va se donner rendez-vous dans l'épisode 14 pour la suite de notre aventure Let's Play sur Tomb Raider. Sachant que quand j'ai commencé à jouer là, juste avant cet épisode, on me disait que j'étais à 47% de l'aventure. Donc voilà, on doit être facilement à la moitié... Enfin, on est à la moitié de toute la récolte des objets du jeu. Je pense qu'on est plus vers 60-70% de l'aventure du scénario, à mon avis, de la quête principale. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt dans l'épisode 14. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à venir me rejoindre sur gameinfo.fr. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut à tous.